Salutations, mesdames et messieurs. Cette semaine, sous un autre angle, nous recevons Mme Mélissa Rodrigue, directrice générale du CPE La Tourniquette. Alors, Mme Rodrigue, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Mélissa Rodrigue. Je suis originaire de Thetford-Maine. J'ai trois beaux enfants, une de 18, un garçon de 15 ans et une petite de 11 ans. Je suis directrice générale du CPE La Tourniquette depuis déjà 9 ans. La Tourniquette, c'est à quel endroit? Ça se trouve, c'est situé dans l'ancienne église Saint-Noël, au coin de Notre-Dame et 9e rue. OK. Dans les améliorations qu'on fait, il y a plusieurs bureaux. Exactement. On a déménagé en 2010 dans les bureaux, dans l'ancienne église. La partie arrière, ils l'ont transformée pour le CPE. À ce moment-là, on avait 31 enfants. En 2015, on a agrandi vers l'intérieur pour doubler à 62 enfants. OK. 62 enfants au CPE. Oui. Et là, vous vous préparez à avoir une deuxième installation. Oui, effectivement. En 2019, il y avait eu un appel de projet du gouvernement pour prioriser les parents étudiants. J'ai participé, dans le fond, à ce projet-là. J'ai rempli le formulaire. En 2020, on a eu l'autorisation d'une construction pour un autre 62 places à Thetford-Maine. Et alors, vous allez être la directrice générale des deux? Oui, des deux places. Et puis, il va y avoir combien d'enfants dans le deuxième? Un autre 62 places. Un autre 62. Aussi, oui. Ça, c'est des groupes de. Il y a des bébés, ça va jusqu'à 4 ou 5 ans, dépendamment s'il y a des maternelles 4 ans ou pas, là. Exactement. Nous, c'est du 0 à 5 ans. Fait qu'on a 10 poupons, des 0 à 18 mois, puis 52 à 18 mois et plus. Dans le fond, on a deux groupes de 2 ans, deux groupes de 3 ans, deux groupes de 4 ans. Plus les poupons, une pouponnière à 10 qu'on appelle. OK. Puis pour s'occuper de ces enfants-là, vous avez combien d'employés? J'ai une vingtaine d'employés, vraiment une merveilleuse équipe. Je présume que pour les poupons, ça prend plus de personnel? C'est deux filles, oui, parce que dans le fond, les règlements, c'est une employée pour 5 bébés, donc la pouponnière, c'est 2 employés. C'est ouvert combien d'heures par jour? De 6 heures à... On à 18 heures? De 7 heures à 18 heures. 7 heures à 18 heures? Oui. Puis quand les gens dépassent 18 heures, ça peut arriver? Ça peut arriver. Un parent qui était pris à quelque part ou qui a fini de travailler plus tard, mais c'est quand même assez rare, là. Puis même souvent, 5h30, les enfants sont partis. Ça dépend des années. Il y a des années que ça peut partir plus tard vers 6h moins 5. Mais souvent, là, depuis les deux dernières années, c'est 5h30 beaucoup... que les enfants partent. Puis durant la pandémie, est-ce que vous avez eu une baisse de clientèle compte tenu qu'il y avait des gens qui pouvaient faire du télétravail? Oui, effectivement. Bien, on ne pouvait pas accueillir tous nos enfants. C'était les règles du ministère. On était des services de garde d'urgence à ce moment-là. Okay. On pouvait accueillir n'importe quel enfant, mais c'était des travailleurs considérés essentiels. Comme les infirmières. Les médecins. Les médecins, les enseignants, probablement. Les policiers, exactement, aussi. Oui. Alors, ça a fait une année, presque 2 ans, plus tranquille un peu? Il y a eu une période, je vous dirais, 2-3 mois, là, vraiment plus tranquille. Après ça, on a commencé graduellement à monter 25 % à 50 % là, de nos capacités pour arriver à 100 % là, Si on parle maintenant de la nouvelle installation qui est prévue, oui. Ça va être encore dans un local comme l'ancienne église Saint-Noël? Non, ça va être une construction neuve qu'on va faire. Le terrain convoité, c'est un beau grand terrain. Présentement, on est en étude de ça. Je crains pas, là. Je crois bien que ça va être correct, là. Mais oui, ça va être une construction neuve pour 62 enfants. Le terrain est très boisé, puis je veux ramener la nature à l'intérieur le plus possible aussi, là, que ça soit vraiment différent. Veux pas les locaux... On reste dans les normes du ministère, on a des barèmes à respecter, mais avoir un petit hic. Un petit plus? Un petit plus, parce qu'on fait la pédagogie enfant nature aussi, depuis déjà 3 ans. Fait que ça apporte les enfants, les éducatrices, les enfants, aller jouer dehors, prendre la nature comme matériel pédagogique. Dans le fond, là, les feuilles, les branches, etc. Fait que les enfants sont dehors. C'est vraiment de reconnecter les enfants à la nature.
Fait qu'on veut essayer de l'apporter un peu en dedans. J'ai demandé à Gisabelle Amers, c'est une agente de conseil en promotion des saines habitudes de vie. OK. Ici au CI3S de Chaudière-Appalaches. Fait que j'ai demandé, elle me l'avait offert quand elle avait su que j'avais des places. Si jamais tu as besoin d'idées, fait que je l'ai appelée, elle m'a sorti plein d'idées. Elle est très impliquée dans Enfants Nature aussi, là. Présentement, on voit que la plupart des compagnies ont des annonces qui disent « on embauche ». On manque de personnel. Avec un nouveau CPE de 62 places, vous allez faire quoi pour le personnel? Je pense qu'il faut traverser la rivière quand on est rendu au pont. Fait qu'on verra rendu là. Je crois que je vais être correct dans mes employés. J'espère qu'avec le gouvernement, les négociations ces temps-ci, là, que tout va se régler. Ça ne donnera pas des éducatrices formées demain matin. Mais je crois que ça va peut-être... Je vais avoir des employés qui sont plus remplaçantes dans la région qui vont vouloir avoir du temps plein. Mais je suis confiante que ça va être correct. Oui, puis de toute façon, la construction, ça ira pas avant l'année prochaine? On espère ouvrir en automne 2022. Ça va commencer à construire au printemps 2022. Dépendamment si les tests de sol sont... Oui, bien, on a déjà fait la phase 1, on est en phase 2. Les plans, on est en train de les faire aussi en parallèle. On situe la bâtisse sur le terrain. Tout est en train de se faire là, en même temps. Les plans sont commencés. En tout cas, le premier croquis est pas mal fait pour pouvoir envoyer un préliminaire au ministère. Là, okay. Puis, je présume que vous allez déménager votre bureau... à la nouvelle installation? Non, je vais avoir aussi un bureau à la deuxième installation pour pouvoir faire les deux places. Est-ce que c'est obligatoire de faire les deux places? Oui, le ministère oblige d'avoir un bureau aux deux places. Puis je trouve ça important aussi de faire les deux places pour voir l'équipe, comment ça va, puis s'assurer que tout est correct. Là. Puis à Thetford Mines, de toute façon, tout est proche. On est à 3-4 minutes à peu près la nouvelle installation, ce qui va être disposé de l'installation actuelle. Fait que ça se fait très bien. OK. On est aujourd'hui le 20 octobre. Oui. Il y a les garderies privées, en principe, sont en grève aujourd'hui. Est-ce que ça vous occasionne, à vous, des surplus de travail? Non. Non, nous, on ne peut pas accueillir plus d'enfants que 62 enfants. Il manque beaucoup de place à Thetford. Je voudrais toutes les prendre. Là. On a des parents qui nous appellent à tous les jours. C'est vraiment triste. Là. Il y en a qui sont vraiment au désespoir. Ils ne peuvent pas retourner travailler. Mais on a un permis de 62 places. Fait que malheureusement... Puis des enfants de 4 ou 5 ans, en avez-vous beaucoup? On en a 20. 20? Oui. Ça veut dire que c'est 20 places qui vont se libérer, probablement, ça? Oui, habituellement, j'en ai en 16, ça dépend, là, 16, 17, 18, parce qu'il y en a qui n'ont pas le 5 avant le 30 septembre l'année prochaine, là, mais ça en libère, mais les autres, ils montent. Oui, vous avez une liste d'attente, je présume. Oui, c'est ça. Puis quand les places qui sont difficiles à avoir, c'est vraiment la pouponnière dans les 18 mois, parce qu'on a 10 poupons. Avec 10 poupons, c'est difficile. C'est facilement rempli, juste avec les parents utilisateurs, ils ont priorité. C'est difficile de... Puis vous ne pourriez pas augmenter ça. Là, vous allez pouvoir, avec la deuxième installation. C'est ça. Mais présentement, vous ne pouvez pas. Non, ça prend des appels de projets du ministère. Je sais que là, ils vont en sortir sous peu, c'est ce qu'ils parlent. Mais ça prend des appels de projets, tout dépendant des régions où ce qu'ils vont en avoir aussi. Vous avez déjà agrandi dans le CPE la Tourniquette qui s'est située à Saint-Noël. Est-ce que c'est possible qu'il soit agrandi de nouveau? Pas à cet endroit-là, non. Il n'y a plus de locaux disponibles. On est en location. Fait que on ne pourra pas agrandir à cet endroit-là. Si jamais le gouvernement, il y a des appels de projet, peut-être que notre deuxième 62 places pourra se transformer en 80 ou demander une autre installation. Le terrain est assez grand pour avoir deux installations. OK. Ouais. Vous pourriez doubler la nouvelle installation. Exactement. Alors, c'est peut-être dans vos projets futurs, vu qu'il manque de place. Tout dépendant dans les régions qui vont en donner. Puis, ouais, ben, il semblerait, à ce qu'on entend, que le ministre Legault, hier, laissait entendre que pour les garderies, il serait plus ouvert. Oui, ils veulent vraiment ouvrir des places rapidement. Il y a eu des sondages. On a reçu des sondages, voir si on pouvait agrandir, si on pouvait construire rapidement, quand est-ce qu'on pourrait ouvrir des nouveaux projets. Ils ont fait des sondages. Fait qu'on a répondu, puis on verra les appels d'offres si... Si jamais il y en avait une avant que la construction
soit débutée. Est-ce que vous envisagez de faire plus grand? J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça pour pouvoir aider les parents de la région. C'est un fait que ça aide. Il n'y en a pas. Exactement, il n'y en a pas, ou même avoir une autre installation. Là, le problème, comme on a dit, rendu là, bien, c'est les employés. Mais je me dis, on traversera le pont quand on sera rendu. Puis je pense, je suis quelqu'un de positif dans la vie. Fait que j'imagine que ça va se régler. Bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Parce que pour la nouvelle installation, tout est réglé, à part peut-être un peu les employés. Mais effectivement, vous allez trouver. Oui, sûrement. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, messieurs, évidemment, pour les garderies, on a besoin du support de tout le monde pour plaider en faveur de ces garderies-là. Alors, si vous avez des interventions à faire, Mme Rodrigue est toujours ouverte à vous entendre. Nous sommes de retour. Notre invitée en deuxième partie de l'émission est Mme Isabelle Thivierge. Madame Thivierge est responsable des intervenantes à la maison La Jetée. Alors, Madame Thivierge, je voulais vous présenter. Oui, bien, c'est ça, dans le fond. Je travaille à La Jetée, qui est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. La maison est là depuis 1983. Donc, moi, ça fait un bon moment. Ça fait 20 ans que je travaille à La Jetée. Vous allez avoir prochainement la Journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes. Ça, c'est récurrent à chaque année. Ça va être dans quelle période? Dans le fond, le 6 décembre, c'est depuis 1989, il y avait eu la tuerie à Polytechnique de 14 femmes qui avaient été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Et donc, depuis ce moment-là, là, que cette journée-là a été instaurée, qui a été à toutes les années qu'on en parle pour se rappeler qu'on veut pas que ça arrive, puis qu'on veut parler de toutes les violences faites aux femmes, dans le fond... l'élimination. Fait que maintenant aussi, c'est du 25 novembre au 6 décembre. Il y a 12 jours d'action là, qui sont à travers le Québec là, que tout le monde pose plein d'actions là, contre la violence faite aux femmes. C'est à ce moment-là qu'il y a des femmes qui étaient là à l'époque qui livrent des témoignages. Ça peut être différentes choses. Comme cette année, notre regroupement provincial, dans le fond, va organiser ces différents artistes qui vont soit faire des poèmes, des slams, par différents médias qui vont expliquer un petit peu, ça peut être qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport à la violence, ça peut être de l'aide qu'ils ont apporté à un proche ou une proche, dans le fond. Puis il va y avoir un gros spectacle à Montréal par rapport à ça. Puis comme nous, ici, à Thetford, on va impliquer nos femmes, dans le fond, pour qu'elles aussi mettent à contribution leur créativité là, dans différentes choses, puis qu'elles puissent, après ça, ça va être publié sur tous les réseaux sociaux. Si on revient à la maison La Jetée, mm-hmm. Vous pouvez accueillir combien de personnes? Nous, dans le fond, c'est une maison de 15 places. C'est vraiment, je répète, là, pour femmes et enfants aussi. Là. Puis pas mal toujours plein, ou on peut espérer qu'il y a des semaines que... qu'il n'y a pas personne? Dans le fond, ça a varié au cours de l'année, mais comme dans le fond, l'année précédente, on avait eu un 95 % de taux d'occupation. Là, donc, c'est quand même... des fois, on va même on a toutes sortes de lits dans la maison, là, des lits rétractables. Fait que c'est sûr, quand une femme est en danger, on va l'héberger, même si ça dépasse un petit peu le 15 places. Là. Ouais. Y a combien d'employés à La Jetée? On est environ là, une quinzaine de personnes qui travaillent à La Jetée. Parce que là, c'est jour et nuit. C'est ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis je rappelle aussi que les services, tout est toujours gratuit et confidentiel aussi. Okay. Vous avez aussi un suivi sans hébergement. C'est quoi exactement ça? Exactement, c'est que des fois, les gens ne le savent pas parce qu'on dit maison d'hébergement. Donc, les gens pensent tout de suite à... c'est vraiment des personnes qu'on héberge toujours. Mais le suivi sans hébergement, on rencontre environ une centaine de femmes à chaque année pour un suivi sans hébergement. Ça veut dire que la femme vient nous voir, par exemple, une fois par semaine pour rencontrer une intervenante. Selon différents besoins, est-ce qu'elle se questionne, par exemple, si elle doit continuer sa relation, si c'est vraiment de la violence conjugale. On peut l'accompagner aussi là, à travers ça dans différentes démarches, que ce soit à la cour, que ce soit si elle porte plainte aux policiers, toutes les démarches qu'elle a à faire aussi. Là. En parlant de policiers puis travailleurs sociaux, vous avez sûrement une collaboration avec ces gens-là.
On a une bonne collaboration avec les différents milieux, puis je pense que pour arriver à un jour penser à, en tout cas, à mettre les femmes en sécurité, puis tout le monde aussi, que ce soit les conjoints violents, on ne veut pas non plus qu'ils s'enlèvent la vie, on ne veut pas que les enfants souffrent dans ces situations-là, fait que je pense qu'une collaboration, c'est essentiel avec les différentes organisations. Puis ici, à Thetford, dans le fond, on fait partie, il y a des cellules de crise qui se mettent en place. Puis on en a une ici à Thetford. Puis ce que je trouve formidable, c'est que tous les acteurs du milieu se sont ont tout de suite accepté de faire partie là, de ces cellules de crise-là. C'est-à-dire que quand une femme est en danger pour sa vie ou qu'elle a, il y a un danger de blessure grave, à ce moment-là, on peut lever la confidentialité dans les lois. Entre organismes. Entre organismes, effectivement, là, c'est ça. C'est pas, là, c'est toujours confidentiel, mais si... Parce que tout ça, c'est à l'origine, dans le fond, en 96, il y avait eu la situation de Beaumont. C'est un monsieur qui se promenait de place en place. Il allait à l'hôpital en psychiatrie, il allait un petit peu partout, puis il disait qu'il allait tuer sa femme. Mais tous les intervenants étaient au courant, mais personne ne pouvait se parler entre eux. Et puis après ça, bien, quand le coroner a fait son enquête, il a dit que ça aurait pu être évité, tout ça. Donc, c'est à partir de là que les cellules de crise se sont mises en place, puis que les lois par rapport à la confidentialité ont changé un petit peu, là. Puis les intervenants se rencontrent une fois par mois, ou... Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment... Bien, dans le fond, on a toutes les mêmes formations pour évaluer, justement, la dangerosité, là, parce qu'on peut pas se dire... on pense qu'il y a une dangerosité, il faut qu'on évalue certains critères. Fait qu'on a toutes les mêmes formations pour le faire. Puis après ça, c'est vraiment quand une situation à risque se présente, c'est à ce moment-là que la cellule va être activée. Puis ça sera pas tous les partenaires non plus, là, c'est les partenaires impliqués dans la situation. OK. Simplement, pour mettre un filet de sécurité pour ces femmes-là. Comme je dis, même pour le conjoint, on veut pas qu'il se suicide, on veut pas... Fait que, tu sais, même le conjoint va être protégé dans tout ça aussi, là. Alors, si une femme se présente chez vous, puis qu'elle répond à certains critères de dangerosité, là, à ce moment-là, vous ne prévenez pas nécessairement la cellule de crise, mais vous vous en occupez. On prévient pas la cellule de crise, mais il y a vraiment un organisme qui est le CSVC, c'est le Carrefour en sécurité violence conjugale. C'est eux, dans le fond, qui gèrent ça. Eux autres sont à Shawinigan. OK. Fait que c'est eux qui gèrent. On va communiquer avec cette personne-là. Puis elle, dans le fond, on est tout impliqués puis on est tout au courant ici à Thetford Mines. Fait qu'elle va communiquer avec les différentes organisations pour voir quel filet de sécurité qu'on peut mettre en place. C'est des vidéoconférences, je présume? Genre Zoom, là? Oui, oui, c'est ça, exactement. Là, vu qu'on est un petit peu plus loin, là. Mais c'est sûr que là, ça fait pas si longtemps. En temps de pandémie, dans le fond, c'est à peu près là que tout ça a commencé. Juste un petit peu avant la pandémie. Mais pourquoi Shawinigan? Parce que c'est eux autres qui ont monté le... Le programme? Le programme, dans le fond, exactement. Fait que là, après ça, ben le gouvernement veut qu'il y ait des cellules de crise un petit peu partout pour prévenir les homicides, dans le fond. OK. Fait que eux autres, ben il y avait l'expertise. Puis ils ont fait beaucoup, beaucoup de recherches là, avec les universités, puis etc., pour vraiment que ça soit t'sais, basé sur quelque chose de... sur la science, dans le fond. Ouais. C'est des psychologues, des psychiatres? Exactement, des chercheurs, oui, effectivement. OK, puis c'est... ils répondent pour la province au complet, je présume? Là, je dis des cellules de crise. Nous, on a pris celui-là, Carrefour Sécurité, mais à d'autres endroits, il y avait déjà bâti d'autres cellules de crise à d'autres endroits. OK. Fait qu'il y a différents programmes, mais c'est la base, c'est la même chose quand même. Oui. Mais il y en a plusieurs au Québec. Puis la exact. Région de Thetford est avec Shawinigan. Exactement. OK. Le suivi sans hébergement, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Vous rencontrez combien de personnes environ annuellement? C'est ça, on rencontre à peu près une centaine de femmes à l'externe. Mais là, tu sais, cette centaine de femmes-là a plusieurs rencontres là, dans l'année. Là. Ça peut être, tu sais, en tout, faudrait que je vérifie, mais peut-être une... 500 rencontres là, pour ces 100 femmes-là, là, okay. En tout. Et vous gérez combien d'intervenants? Dans le fond, 8 intervenantes 8? Régulières, oui. Alors, vous dressez des horaires de travail en fonction de ces rencontres-là. Ça exact. Peut être le jour ou le soir. Exactement, exactement. Ça peut arriver que la nuit, on pense que la nuit, les femmes dorment, tout ça, mais c'est là aussi qu'arrivent les situations les plus... c'est comme des policiers qui débarquent avec à la fin d'un bar ou des choses comme ça. Fait qu'il y a des femmes qui peuvent être hébergées en tout temps.
Puis vos intervenantes sont disponibles 24 heures par jour. Exactement. Fait qu'on prend les appels, mais aussi si y a un besoin d'hébergement, puis que ça presse, puis que c'est dans la nuit, ça peut se faire aussi, là. Oh, c'est bien. Alors, pour la journée internationale, on répète les dates, c'est du 25 novembre au 6 décembre. Exactement. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations à Tetford comme telles? Comme je vous dis, là, cette année, c'est des ateliers qui vont se faire avec nos femmes, puis qui vont se présenter après ça sur les réseaux sociaux. Là. Que ça va être publicisé, je présume? Oui, exactement. Puis c'est ouvert à tout le monde, autant les hommes que les femmes? Oui, c'est vrai que c'est important aussi, hein, les hommes qui... Tout le monde s'implique dans cette cause-là, dans le fond, puis plus qu'on va être de gens, puis mieux que ça va être. Le message va être exactement. Plus porté encore. Exactement. Alors, Mme Thillier, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est très intéressant de vous entendre, puis on souhaite qu'un jour, la maison de la Jetée ferme. Exactement, exactement. Ça voudrait dire qu'on n'aurait plus de violence faite aux femmes, mais il ne faut pas être utopique. Non, ça, je pense que ça serait vraiment utopique, mais quand ils ont créé les maisons à la base, c'était dans cette optique-là, hein, que la violence cesse complètement. La mission, là, quand ça a été pensé dans les années 70, c'était ça. Mais là, oui, effectivement, ça serait un peu utopique pour le moment. Alors, un gros merci, Mme Thierge, puis en espérant que la période pour la journée internationale soit bénéfique. Merci beaucoup, M. Amiel. Alors, mesdames, messieurs, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.